À nouveau le frelon blanc qui était en train de chasser là. Il est parti. Ah, j'ai rien pu faire pendant un petit moment. Il y avait des chaleurs d'artifice sur trois ruches à la queue leu-leu. Comme si c'était donné le signal. Le frelon blanc est revenu ici. Un frelon qui vient de monter en haut d'une tente là. Capturé. Donc là, on a des bouteilles. On a des bouteilles partout, donc on va voir dans 2-3 jours ce qui se passe. Frelon blanc, toujours en train de chasser sur sa ruche préférée, on dirait. Oh, il a lâché l'abeille. Il l'avait attrapé, il l'a lâché. Et il l'a capturé. On va voir s'il remonte. Ah, il se fait capturer. Le frelon blanc est monté dans la tente. Intéressant. On verra si dans la bouteille, dans tous les morts, je récupère des frelons rouges ou blancs. Et il est là sur le côté. Voilà ici. C'est peut-être la fin de la carrière du frelon blanc. Parce que dans cette bouteille, ça crève pas mal, hein. Cette poche marche vraiment très bien. Il n'y a aucun frelon libre. Ben, je vais essayer de filmer blanc pour voir ce que ça donne quand il rentre dans la poche. Là, la forme de la poche, il faut la travailler encore un peu, hein. Il y a la formule hyper simplifiée que j'ai fait cet après-midi. Les solides d'artifice, c'est une cata.
Ouais, c'est le frelon blanc là qui vole. Et voilà, frelon blanc est rentré dans la poche. Ça sent la fin pour lui. On va voir combien de temps il met pour rentrer dans une bouteille. Dans la bouteille, il n'en a plus qu'une. Ah, je fais une pause, découpe la veine.